Et salut tout le monde, c'est magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa, premier du nom, pour faire une petite balade en multijoueur sur la map Shutoko. Alors aujourd'hui, ce sera du très très lourd parce qu'on est avec une skyline et je pense qu'elle marche très très bien. En plus, là, c'est la nuit, on est vraiment dans l'ambiance. Il y a pas mal d'autres voitures, on verra si on peut, si on peut s'amuser avec d'autres personnes. Ok, ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc c'est parti, on va sortir du parking. Alors, j'ai pas essayé la voiture encore. Quand j'étais en mutuelle, je la voyais souvent passer très 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 vite. Voilà, on met le petit clignotant. Ouah, le turbo, c'est un truc de dingue. C'est un aspirateur le truc. Ça avance quand même, hein. Là, on est à combien On va arriver à 240. Oh, le petit rupteur. Ok. On dirait vraiment des IA. Ils roulent à la même vitesse. Oh MDR. Ouais, lui, il a pas le temps. Ah bah, c'est exactement ça. Ah ouais. Ah ouais, lui, il a pas le temps. Bon, bah, du coup, moi, je vais à gauche. Je sais pas si... On dirait vraiment des IA. Ah, c'est pas des IA, parce que là, on est bien en multijoueur. Mais il roule tout droit, MDR. Nous, on va bombarder, hein. On va suivre l'autre, là, qui est passé comme une... comme un rafale là. Ok, on va essayer de rouler RP avant tout. Enfin, franchement, c'est très 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 joli pour Assetto Corsa. Il faut se dire que tout ça c'est un mode quoi. Toutes ces routes c'est un mode et c'est juste dingue en fait. Ah, le son est incroyable. Hein. Cette voiture et beaucoup de voitures qu'on va voir, même toutes presque, ce sont des modes. Donc, encore des modes vraiment très bien fait. Bon, allez. Oh, il y a une voiture devant. Allez, turbo à 100% pour la première fois, je sais pas ce que ça donne. Ouais, ça avance quand même. Hein. Ouais, franchement, si vous avez Assetto Corsa, enfin, c'est un peu galère à installer, faut installer Content Manager, plein de trucs et tout. Mais c'est trop bien en fait, c'est vraiment trop bien. Et donc voilà, on a quand même quelques petits décors. Là, on a une tour Eiffel de version Wish. Allez, on va faire une petite pente de vitesse là. Oh non, mais le son. Ah, le son, incroyable, hein. Ah ouais, mais par contre, je suis très étonné que les gens roulent aussi RP comme ça, là. Allez, vas-y, on va essayer de rejoindre les gens devant. Ok, ok, ok. Et en gros, bah, sur cette map, t'as plein de routes. T'as des autoroutes, t'as d'autres petites routes. Et même en jouant beaucoup sur cette map, hier, j'ai encore découvert plein de nouvelles routes, en fait. Je savais pas, mais il y a un endroit. Alors, c'est un peu loin quand même dans la map, il faut aller assez loin. Mais il y a un endroit où c'est une espèce de petite ville où t'as. Enfin, c'est une route trop bien. On essaiera d'y aller un peu plus tard dans la vidéo. Tac, on met évidemment les clignotants, on regarde à droite. Juste avant de faire une petite pointe de vitesse. Ah ouais, mais prompt, je suis vraiment étonnée que tous roulent genre tranquille. Mais attendez, parce que je me pose la question là. Est-ce que c'est pas des IA? Je vous jure que c'est des IA. Je viens d'activer les pseudos, il y a écrit trafic. C'est un truc de ouf. Ils ont mis des IA. Ah, c'est pour ça qu'ils despawnent, ils vont dans les murs et tout. Non, c'est une blague. Ils ont mis du trafic en multijoueur. Alors là, il faut savoir que là, il y a une révélation en direct MDR de la vidéo. Parce que j'ai vu sur un serveur, il y avait écrit trafic, je sais pas quoi. Je me suis dit, oui, bon, enfin, voilà. Je me suis dit, non, c'est pas possible d'avoir du trafic en multijoueur. Et bah, si. Les mecs, ils ont mis du trafic et avec des autres joueurs. Attendez, je vais enlever les pseudos. Tac. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, enfin, je suis vraiment choquée. Genre là, vraiment, je viens de découvrir qu'il y a le trafic. Bon, allez, là, on a assez roulé tranquille, là. Parce que j'étais un peu retenu. Je me suis dit, si c'est des vrais joueurs, ils roulent tous tranquille. C'est qu'il y a une raison, je sais pas. Aïe, j'ai tapé le micro. Ok, là, il y a le petit péage. Bon, c'est automatique, mais on va s'arrêter en mode RP. Tac. Oh là 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 là. Eh, mais le son, incroyable, hein. Et c'est des modes tout ça, hein. C'est des modes, hein. C'est un truc de fou. Tac, on tape un petit rupteur. Non, mais je suis choquée du trafic là sur le serveur multijoueur. Et je vous jure, là on est en multi, hein. Vraiment, c'est pas genre j'ai installé un mode. Je vous jure, là on est en multi. Mais c'est incroyable. Mais en fait, c'est encore même mieux pour faire du trafic là. C'est même mieux de venir sur un serveur parce que. Parce que du coup, c'est pas notre ordi qui fait tourner le,
Les IA, c'est le serveur en fait qui fait tourner les IA. Donc c'est si on a un ordi qui supporte pas le trafic, venez sur le serveur multi. On va aller un peu dans les tours là. Là-dessus, on peut... Hop, non, pas le mur. Ah, yeah. Ah ok, on a juste fait la peinture du rétro, pas de problème. Je suis sûr même après 50 heures de jeu, tu connais pas encore la main par cœur. Hein. C'est immense. Ah voilà. J'ai pas fait exprès, mais je suis allé sur le bon chemin. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure on était sur un pont. Et ben là, on est sur le pont, mais sur la voie opposée. Et on va rentrer au petit parking de départ. Non mais c'est dingue. Hein. Au rupteur, au calme, on est au rupteur en cinquième vitesse, tout va bien. Eh hey, mais le son en fait c'est... Wouh, non. Oh le mur. Oh, alors on fait un truc que j'aime bien faire. Je vais mettre en 5 là, en bas régime, et on va accélérer jusqu'au rupteur. Alors ça peut être long, mais voilà. C'est quand on va arriver au turbo là, et ça va partir direct. Hein. 5000 tours, 6000 tours, et voilà, le turbo... Ouais, tu vois, même le trafic ici, là. Ouais, non, mais le turbo... Voilà, rupteur, il y a pas de 6. Ah, si, il y a une 6. Ah, ouais. Ok, il y a une 6ème vitesse, d'accord. Ok, oula, tu vois, le trafic, ok, ouais. De toute façon, là, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller à gauche. Et là, on va aller à droite, direction le parking. Et là, on va essayer de trouver quelqu'un pour rouler. Eh, mais le son de l'extérieur... Écoutez, c'est pétarade de l'échappement. Oh, c'est un truc de dingue. Oh là. Oh, on n'a pas touché. On a pas touché. Allez, on va essayer de faire un tour. Là, il y a pas mal de skyline dans le coin. Ok, on est parti. Ah ouais, là, on est un bon paquet de voitures, là. Waouh. Ah oui, là, on a... il faut pas se confondre au trafic parce qu'il y a quelques voitures trafic, là. On va faire attention. Ah oui. Oh là 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 là. Oh, c'est n'importe quoi avec le trafic. Ouais, je vais mettre sur la voie de droite, je crois. Il n'y a pas beaucoup de voitures trafic à droite. Oh punaise. Oh. Oh là. Oulé. Ok. On est sur la route. Ok. Ok, on a juste pété toute la voiture. Tout va bien. Ah oui, c'était violent. Oh là là. Oh yeah. Il continue à se faire percuter là. Ok, on va suivre la petite skyline blanche là. Qui part devant nous. Après, on peut aussi continuer sur l'autoroute à droite, mais c'est que de la ligne droite. C'est pas très très intéressant. Moi, je préfère faire les virages et partir en drift, hein, évidemment. Oulala. Non, on va remettre. C'était quoi ça? Oui, la Mitsubishi là, qui est passée à toute vitesse. Alors, on va essayer d'aller à l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure là, où c'était un petit endroit, des petites routes dans la ville. Enfin, même si là on est dans la ville, vous avez compris. Alors là, il faut aller à droite. Oh là là. Oh. Boum. Yes. Ah bah voilà. Le collègue a fait la même. Alors là, attends, il faut aller... Je suis allé à gauche. Est-ce que c'était ça? Oh non, je crois que c'est peut-être que... Ouais, je sais pas. Je suis parti à gauche. Je sais pas s'il fallait. Bon, bref. En drift ici. Oh là là. J'ai un peu peur quand même, hein, de partir en drift parce que... Ce sera surtout dans le mur où je vais aller. Hoppa. Ouh. Oh là là. Oh, c'était incroyable ça. C'était beau. Oh non. Ouf. Ça serait bête de se prendre le mur quand même. Oh là là. Oh là là. Eh, c'est n'importe quoi. Hein. Trop de puissance dans cette voiture. Hein. Vraiment. Ok. Donc là, j'ai retrouvé le chemin. Ok, yes. Voilà, il nous a suivis. Et là, en prenant à droite au... Bah ici, là, à ce tunnel, normalement, on arrivera à la petite route. On arrivera à une zone vraiment incroyable. Quand j'ai découvert ça hier, j'étais choqué. Je me suis dit, ouais, que sur cette map, il n'y avait que des autoroutes. Mais non, il y a même des petits endroits où il y a la vie. Il y a une petite place tranquille. C'est incroyable. Ouais, mais il est rapide, lui. Oh, attends, on va accélérer, là, parce que...
Sinon, je vais le perdre de vue. Ok. Ouais, il est rapide, hein. Il fonce, hein. Ouais, mais ça monte dans les tours, ce truc. On va arriver, quoi, à 9000 tours. Oui. Oh là là là. Docteur à 8500 tours. Magnifique. Oh là là, c'est génial. J'adore. Hop. Oh, la bosse. Il a touché le mur, lui. Oh là 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 là. C'est un plaisir, là, vraiment. C'est génial. Oh, et l'accident, l'accident, l'accident. Ouais, le 3-6, c'était contrôlé, c'était calculé, évidemment. Ah, voilà, donc là, on arrive. Je trouve que c'est un endroit trop stylé, regardez. On est vraiment, tu sais, genre dans la ville centre. On n'est plus dans l'autoroute et tout. Je trouve ça incroyable. Genre, quand j'ai découvert cet endroit, je me suis dit, mais c'est trop stylé. Et là, on prend un petit pont. Ouais, non, mais regardez-moi ça ici, la petite place, là. Mais c'est ouf, hein, c'est un mode, hein. Ça me rappelle un peu Gran Turismo 5 et 6, avec ce qui se rappelle la route 7, là. Incroyable, c'était une autoroute dans la nuit. En multijoueur, c'était génial. On prenait nos voitures trafiquées. Je me souviens, moi, je prenais une GTR là que j'avais bien pimpé. On faisait des petits runs, c'était trop stylé. Et bah là, ouais, on retrouve un peu cet esprit sur Assetto Corsa. Ok, gaga, on est parti. Oh là là. Eh bah, c'est exactement ça. C'est comme sur le Gran Turismo à l'époque, c'est trop bien. Je sais pas s'il a mis le turbo à 100% lui. Et voilà. On a bien mangé le mur. Là, on passe par le pillage. En plus, dans les tunnels, le son qui résonne, c'est incroyable. Là, devant, il y a une S2000. C'est pas un IA. Vas-y, on va essayer de le suivre. On va essayer d'aller le plus vite possible pour le rattraper, le mec. Parce que, en plus, il gère le trafic. Alors. Ah, il est là. Oups. Ah, la Skyline nous a rejoint. Ah, c'est stylé. C'est stylé. On a un petit groupe de personnes là. Et on est parti. On va à gauche ou à droite. Ok, à droite. Oh punaise, il a fait une petite feinte. Ça m'a fait peur. Donc là, on s'est à fond. Et après, on aura même un mini jump si on a assez de vitesse. Oh, ils sont rapides. Ouais, c'est là le mini jump. Quoi? 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 Le turbo était pas à 100%? Attendez, je viens de voir ça là. Le turbo était pas à 100%. Mais à quel moment? Quoi? Sérieusement? What? Oh là, oh là. Oh là, je crois que devant, c'est Mitsubishi. Il arrête pas de se. Aide pas de se taper contre les murs, lui. Eh mais entre voiture du trafic et voiture réelle, je sais pas qui est qui, là. Ça me perturbe. Bon, on va essayer de les suivre, quand même. Oh là 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 là. Punaise. Ouais, mais ils sont rapides, hein. Ah, mais c'est trop bien, vraiment, là. Là, on a une session de ouf, avec des gens, quand même, qui roulent bien, à part la Mitsubishi. Waouh, j'ai failli me prendre le mur à l'intérieur là. Oh là 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 là, et la skyline là. Oup. Bon bah là. Ouh aïe aïe aïe. Bon ça c'était inévitable malheureusement. Oh là là. Oh non non non. Non on va les perdre. Mais non. Ah. Donc okay, c'est bon pour en devant, je sais pas où ils sont partis. Ils sont allés à gauche ou à droite? Je sais pas, moi je vais aller à droite, hein. Non. Bon bah du coup je crois qu'on a perdu le groupe qui était devant. En tout cas, là, j'ai un défi. C'est juste de rentrer à la maison, entre guillemets. Hein. De rentrer au point de spawn. Et voilà. Alors, je crois que c'est un peu loin. Du coup, on va aller vite. Hein. Voilà. Bon, est-ce que là, ça passe à fond? Oh, l'IA! Non, c'est une blague. Oh. Alors, finalement, j'ai même pas touché l'IA, mais oulala. Ok, donc cette fois on va à gauche, hein, on n'oublie pas. Ah oui, là j'ai bien fait d'aller à gauche. Je reconnais. Ah, on est au pont. Bah voilà, on est au pont. Bah voilà, parfait. Alors je sais pas si c'est possible de. Je sais pas si on va réussir de mettre la 6ème vitesse. Ah bah tiens, on peut le faire maintenant.
Ah ouais. Moi je croyais on va essayer sur l'autoroute tout à l'heure là. Ouh, oh le mur. Voilà, alors là on va essayer d'aller au rupteur de la 6ème vitesse avant qu'il y a la sortie là. Oh, on est à que 7000 tours là. En tout cas on est quoi? On est à plus de 320, même le compteur il est bloqué MDR. Le compteur il était bloqué à... ouais on était plus de 320. Oui, ah ouais ça va vite quand même ce truc. On n'était pas au rupteur hein. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment génial. Première fois qu'on était sur Shutoko en multijoueur. Hein. Et franchement, ouais, non, c'est un truc de ouf. Encore une fois, hein, vraiment, si vous avez Assetto Corsa, cassez-vous la tête pour installer les mods. Mais vraiment, je vous jure que ça vaut le coup. C'est vraiment trop bien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !